je vais vous partager un message. Je viens de Montréal, Canada. Ça m'a pris 36 heures de venir à Burundi. Et je suis venu à Burundi pour vous partager un message. Et le message, c'est que Dieu vous aime. Le Dieu qui vous a créé, il vous aime énormément. Il veut avoir une relation avec vous. Et il veut vous donner la vie éternelle. Mais le problème, c'est qu'on a été séparés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a péché contre Dieu. Et Dieu est saint. Alors si on meurt et on est séparé de Dieu, on va être séparé de Dieu en enfer pour l'éternité. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. Il veut vous pardonner de vos péchés. Il veut vous donner la vie éternelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Et Jésus était la seule personne dans l'histoire de l'humanité qui a vécu sans le péché. Alors Jésus est mort à la croix pour toi et moi. Il a pris le jugement de Dieu que nous méritons. Mais parce que Jésus n'a jamais péché, il a été ressuscité de la mort. Alors si aujourd'hui tu décides de suivre Jésus, tu demandes Dieu de te pardonner et tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux être pardonné de tes péchés. Tu peux avoir une relation avec Dieu et tu peux avoir la vie éternelle et tu n'iras pas en enfer. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent accepter Jésus? Si tu veux accepter Jésus, lève vos mains en l'air. Si quelqu'un ici veut avoir la vie éternelle à travers Jésus, levez vos mains. Levez vos mains. Levez vos mains. Levez vos mains. Alléluia. Alléluia. Alors, si tu es prêt à suivre Jésus avec tout ton cœur, tu dois prendre une décision aujourd'hui de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus. Alors, est-ce que tu veux prendre cette décision aujourd'hui? Si tu veux prendre cette décision aujourd'hui, je vous invite à vous approcher et je vais prier avec vous. Alors, qui veut accepter Jésus? Venez. Alléluia. Alléluia.